Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur 5 choses que vous ne saviez pas sur Asta. Bon, le manga il est relativement jeune, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'infos intéressantes, mais il y en a quelques-unes et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler du personnage principal qu'on aime tant, Asta. Et on commence tout de suite par une grosse info, son nom de famille, parce que c'est vrai que vu que c'est un orphelin, on ne le connaît pas. Sauf qu'on nous a donné un gros indice, puisque avant que Black Clover soit paru dans le Shonen Jump, il a fallu une première version, un one-shot, où l'histoire était assez différente, c'était une école de magie, mais on avait toujours comme personnages principaux Asta et Yuno. Et dans cette première version de Black Clover, Asta avait comme nom de famille Asta Staria. Au passage, la date d'anniversaire de Asta est le 4 octobre, et en fait, ça correspond à la date où il a été trouvé devant l'église. Ça fait donc de Asta une balance, et c'est une transition toute trouvée pour... Et oui, il est temps de parler de la personne qui a fait détester Black Clover à énormément de personnes, le seiyuu de Asta, Gakuto Kajiwara. Et c'est plutôt intéressant parce qu'en vrai, c'était son premier rôle majeur. Et depuis, grâce à la notoriété qui s'est fait, il a pu doubler une autre star du Jump, Shinra Kusakabe de Fire Force. Du côté de la France, c'est Alain Aubert Carlin qui s'est occupé de la voix d'Asta. C'est lui qui s'occupe de la voix de Denki dans My Hero Academia et de Justice dans Assassination Classroom. Il a aussi fait la voix de Sacha dans un film Pokémon. Pour comprendre comment a été créée la personnalité d'Asta, faut savoir que le premier manga de Tabata, Hungry Joker, il a pas trop marché. Et c'était énormément dû au fait que son personnage principal, il intéressait pas trop les gens. Il était assez froid, il avait un peu de distance. C'est pour ça qu'il a décidé de partir sur un archétype du shonen, un personnage hyper enjoué et toujours positif. Sauf qu'en fait, cette personnalité, étrangement, dans Black Clover, elle est vraiment bien faite, quoi. T'y crois vraiment à Asta. Et tout devient logique quand on sait que Asta ressemble énormément à l'auteur de Black Clover, Tabata. A tel point que le sensei de Tabata, qui lui a appris à faire des mangas, l'auteur de Psyren, pour un petit dessin, il a décidé d'au lieu de dessiner Tabata, juste dessiner Asta parce qu'ils ont exactement la même personnalité. Et faut dire que ça a vraiment bien marché parce que dans tous les sondages de popularité au Japon, c'est toujours Asta qui arrive premier. Et franchement, c'est assez rare pour être souligné que Asta met tout le monde d'accord. Et oui, il est peut-être possible que vous avez déjà en votre possession le grimoire d'Asta. En fait, comme pour Yami, la couverture de son grimoire a été reprise pour la couverture d'un tome. Mais oui, c'est le volume 23 de Black Clover qui reprend cette couverture mythique du grimoire qui était à Licht, puis transmis à Asta. Et avant de passer à la suite, je voulais vraiment vous demander de vous abonner si vous êtes intéressé par Black Clover, parce que cette chaîne, elle parle énormément de Black Clover. En plus, si vous aimez les vidéos comme ça, il va bientôt y en avoir une sur Yuno, parce que c'est normal, Asta, Yuno, t'es obligé. Alors pour terminer, parlons un peu de ses stats. Ce qui est déjà assez triste, comme on l'avait vu dans la vidéo d'Yami, c'est que c'est le deuxième personnage le plus musclé, et il reste moins fort que Yami en termes de force brute. Par contre, il y a un truc où il est vraiment nul, et c'est pas la magie, même si dans toutes ses compétences de magie, il a zéro partout, parce que l'anti-magie, c'est pas une magie, mais c'est aussi le membre le plus bête du taureau noir. Et je voulais mettre fin à cette vidéo sur ce premier dessin d'Asta, et on voit que, en fait, il est pas beaucoup musclé, il a même un sourire bizarre, ça se voyait qu'il avait vraiment un air de vicieux. En tout cas, je préfère vraiment son design maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, ou même à regarder les autres vidéos. Dans tous les cas, ici, on parlera de Black Clover maintenant et encore pour très longtemps. Allez, ciao tout le monde, paix sur vous!